Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. On est le 4 août 2019, 19h55 heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous, les nouveaux, les anciens. Merci à tous ceux qui viennent de se joindre. Venez de vous joindre si vous ne l'êtes pas encore. Ça va être vraiment euh, une chaîne euh, très utile, je vous, vous le dis. Ça va être amusant, utile. Ça va être divertissant aussi. Et je vous ai donné une nouvelle orientation euh, suite à une constatation que ça devenait trop répétitif d'avoir. Euh, trois chaînes qui parlent de sujets qui tournent autour de la politique. On va commencer d'abord. Je vais vous expliquer que ça va être orienté surtout sur un aspect euh, qui concerne la santé via l'alimentation. Ça va être ludique. Je vais aller me promener. Je vais sortir. Je vais vous donner des recettes faciles. Comment manger simplement et aussi pour pas que ça coûte cher. Je vais vous parler de découvertes, comme cette découverte que je viens de, de faire. Moi aujourd'hui, ma, ma femme l'avait faite il y a plus il y a longtemps, puis elle me, elle me forçait à essayer ce produit-là que je, je boudais, et je le regrette, mais enfin, on va y revenir tout à l'heure. Donc, ça va être tout ça. Qu'est-ce qu'on doit manger? Manger localement, c'est important. Des produits locaux, des produits simples, des produits non transformés. Il faut délaisser les produits transformés qui sont une source incroyable d'apport en sucre, de toutes sortes de produits dont on n'a vraiment pas besoin dans notre corps et de retrouver le plaisir de manger simplement parce que c'est certain que l'élite nous a forcés, depuis quelques années, à cuisiner d'une façon complètement, complètement snobinarde, qui n'a aucun, aucun rapport avec nos rythmes de vie. Des, as des plats comme des pavés, de saumon glacé, à l'érable, cuit sur une planche de bois, coudons on est rendu dans quelle dimension servi avec une purée de céleri rave ou de radis noir arrosé d'un filet d'huile de, de truffe. Comme diraient les Anglais, « Give me a break, man, give me a break. » Donc, c'est démoralisant tout ça. La plupart de ces recettes-là, toutes ces petites vedettes qu'on veut vous vendre à la télé, dans les magazines de ces pseudo-chefs qui sont des marionnettes, eux aussi, qui vous donnent des recettes qui ne tiennent pas debout la plupart du temps. Quand vous les essayez, le résultat est très décevant et vous avez dépensé beaucoup de temps et d'argent. Donc c'est pas ça. La cuisine, il faut que ça redevienne d'abord une nécessité. Faut que ça. Manger c'est une nécessité. Quand ça devient trop une question de plaisir, ben, vous allez travailler pour manger. C'est complètement ridicule parce que ça va vous coûter la peau des fesses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir à manger, mais ultimement, à la base, manger c'est pour survivre. C'est une nécessité. C'est un besoin faut pas en faire un luxe. Et c'est de redécouvrir les produits locaux, les recettes faciles, les bons aliments, les super aliments, comme on les appelle aujourd'hui. Enfin, vous le savez, ça va être tout ça. Je vais aller voir des gens, je vais vous donner des recettes, je vais visiter des coins aussi intéressants que la plupart des gens ne connaissent pas ou connaissent, mais très peu de gens les connaissent. Et plein, plein de choses. Ça va être vraiment... Quand je fais une découverte, je vais vous la partager. Et là, je veux vous parler du kombucha. Moi, j'ai été... Vraiment, aujourd'hui, j'ai découvert ça, ben, dans le sens que j'ai décidé enfin de le goûter. Ma femme était une adepte du kombucha déjà. Et vous savez, des fois, on est borné. Hein? Ça, c'est un des plus grands péchés probablement de l'être humain, c'est d'être borné. Vraiment, ça nous nuit énormément dans la vie, à tous les points de vue. Et là, j'ai décidé aujourd'hui d'y goûter. Finalement, je suis tombé en amour avec ce breuvage-là d'origine japonaise. Demain, je ferai une petite sortie. D'ailleurs, je vais aller chez Tau, une épicerie euh, d'aliments naturels et biologiques au Québec, qui est de plus en plus euh, connue, qui, qui ouvre de plus en plus de succursales, mais qui avait euh, à l'origine eu sa première succursale originale sur le plateau Montréal dans les années 80. Je connais le propriétaire, un homme sympathique, de, qui est rendu très âgé, et c'est les fils qui ont pris la relève. Et eux, naturellement, comme tous les jeunes, ont voulu vraiment changer la vocation de taux et en faire quelque chose de gros avec des plats pré-cuisinés, de la viande, ceci, cela. Le bonhomme, j'ai parlé avec lui il y a quelques semaines, il n'était pas vraiment chaud à l'idée, mais il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est les enfants qui s'occupent de ça maintenant. Ça coûte énormément cher, il y a énormément de pertes, il, y a, il commence à avoir de la concurrence, puis il n'est pas très content de ça, mais que voulez-vous? C'est ça les jeunes. Donc, aujourd'hui, je suis allé avec euh, ma tendre épouse chez euh, Tôt, et c'est là où j'ai découvert les fameux euh, breuvages. De thé fermenté comme chat, qui ont des propriétés incroyables pour la santé, qui sont honnêtement vraiment bons au goût, désaltérants, puis c'est une alternative aux boissons gazeuses parce que c'est fermenté, donc il y a du gaz. Pour ceux qui veulent retrouver hein, l'excitation le, le, de d'une boisson, bien, vous l'avez avec le comme chat, que vous pouvez faire maison parce que quand vous l'achetez, c'est pas cher, mais c'est pas euh, non plus euh, donné. Comme il n'y a rien qui est donné. Hein? C'est pour ça que c'est important de... Si on veut économiser de l'argent, de manger simplement puis de faire des choses maison. Comme je vous donnerai aussi des recettes de yogourt maison. Vraiment facile. Les Grecs le font. C'est le fameux yogourt grec que tout le monde aime qui coûte 5 le, le demi-litre. C'est complètement fou. Je vous donnerai une recette de, de mes amis grecs de ce fameux yogourt grec qui se fait en l'espace d'un claquement de doigts. Donc, le kombucha, vous allez découvrir ça. Pour le découvrir, vous allez vous en acheter une bouteille pour le goûter, si vous ne le connaissez pas déjà, parce que vous ne commencerez pas à faire ça avant de le goûter. Moi, je l'ai goûté, puis là, maintenant, je veux m'en faire parce que ça coûte assez cher. Ben, si tu commences à être un adepte, ça va te coûter cher. Donc, il y, y a un site que j'ai découvert qui nous donne ici une recette de kombucha maison, vraiment pas compliqué. Le matériel qu'il vous faut, c'est un pot en verre de 3 litres environ pour fermentation, quelques bouteilles propres pour embouteiller votre breuvage. Donc, vous pouvez utiliser déjà les bouteilles de. Les bouteilles que vous aurez dégustées, parce qu'il y a tellement de saveurs en plus. Vous allez en déguster quelques-unes. Vous allez garder ces bouteilles-là en verre, qui sont très mignonnes la plupart, toutes les compagnies. C'est des produits locaux en plus. Moi, ceux que j'ai achetés sont fabriqués euh, à Montréal. Et ils ont toutes des belles petites bouteilles. Donc, vous gardez ces bouteilles-là pour, emb... pour vous remplir vos propres bouteilles. Ou ça peut être des bouteilles euh, de bière avec un bouchon comme la fameuse grolle ou en tout cas, peu importe. Ça vous prend une cuillère inox ou en bois, un tissu à placer sur votre peau qui laisse passer l'air, comme une espèce de on appelle de coton à fromage et qui bloque les poussières, un élastique, un filtre ou passoire fine, un espace ambiant, de préférence entre 24 et vingt-sept. Celsius à l'abri de la lumière. Ça, c'est ce que vous avez besoin pour commencer. Donc, très, très, très simple. Les ingrédients pour un litre de kombucha maison, une souche de kombucha. Donc, ça, c'est un champignon. Ça peut se trouver, vous avez peut-être des gens même autour de vous. C'est un peu le même principe que le kéfir que beaucoup de gens connaissent, que moi, j'ai déjà aussi expérimenté dans les années 80. Et c'est un champignon et qui grossit, qui grossit quand tu fais ton breuvage de kéfir, et qu'à un moment donné, il faut que tu en donnes parce que ça grossit tellement que ça pourrait envahir ta maison. Donc, c'est un produit qui se donne. Mais il peut probablement aussi, la plupart du temps, on, ils le vendent, mais pas cher. Donc, c'est un, une souche que tu achètes. Et c'est avec ça que tu fais ton kombucha, et tu le gardes, et tu le gardes. On appelle ça la mère de kombucha. Donc, c'est la, la, la souche mère. 20 euh, centilitres de kombucha déjà fermenté, idéalement une bouteille que vous aurez achetée de kombucha, parce que dans le fond il y a un résidu et c'est ce résidu-là dont on parle ici. Les autres, ils suggèrent leur marque, Loki, thé vert, thé euh, poire, parce que poire, parce qu'ils connaissent, c'est leur euh, kombucha, eux. 7,8 7, 7 e par zone de gramme environ de thé noir, vert ou blanc. Allez faire un tour, euh, ils vous donnent des idées de boutiques, là, mais peu importe. Euh, 60 à 90 grammes de sucre de canne bio, préférablement. L'autre, c'était 7 à 8 grammes, pardon, environ de thé noir. De l'eau de qualité, si possible, filtrée, de source. Démarrer une culture, deux solutions s'offrent à vous. Vous êtes pressé ben, de commencer à réaliser vous-même votre breuvage Ça se comprend. Il faut alors une mère de kombucha déjà bien solide pour vous lancer. Vous pouvez vous en procurer une auprès de votre entourage, comme je vous le disais ou sur des forums en ligne. Si vous ne trouvez pas, nous vous proposons de vous en préparer une. Rendez-vous sur notre boutique en ligne. Je vous laisserai le lien de, cette, de ce, de de ce site-là. C'est vraiment intéressant pour ceux qui sont intéressés à faire leur kombucha. Vous avez du temps? Ben là, Si vous avez du temps, vous pouvez démarrer une source avec une bouteille Locky Kombucha. On vous conseille notre recette thé vert, thé euh, poire, qui garantit une bonne croissance de la symbiote. C'est la nôtre, on la connaît. Pour cela, il suffit de vider le contenu de la bouteille dans un pot en verre, un autre que celui que vous utiliserez pour le kombucha, et laisser fermenter en température ambiante, mais couvert d'un linge fin. Attendez 4 à 5 semaines jusqu'à ce qu'une mer se forme en surface du liquide, attendez qu'elle fasse un petit centimètre d'épaisseur, et voilà, votre démarreur est prête à l'utilisation. La fermentation du kombucha et son mode d'emploi. Faire bouillir un litre d'eau dans une casserole. Couper le feu quand l'eau bout. Infuser le thé dans l'eau chaude pendant 5 minutes. Verser le sucre dans le thé, encore chaud, et mélanger bien jusqu'à dissolution. Transférez le mélange dans votre pot en verre vide tout en filtrant. Laissez refroidir. Assurez-vous que le mélange ne dépasse pas les 30 degrés Celsius sous risque de brûler votre culture. Déposez la culture de kombucha. La mère et le démarreur, couvrez votre peau avec un linge et fixez à l'aide d'un élastique. Entreposez à l'abri de la lumière et laissez fermenter 7 à 14 jours. Un conseil, j'ai parlé avec la dame chez To, qui faisait son kombucha, elle aussi plus tu vas le laisser fermenter, moins il y aura de sucre dedans. Parce que vous allez voir, quand vous allez vous acheter des bouteilles de kombucha, naturellement, on le fait rapidement chez les producteurs de kombucha. Hein. Donc, il y a encore. Un peu de sucre dedans, pour ceux qui sont préoccupés par les taux de sucre, ça va être l'avantage de le faire chez vous. Plus vous allez le laisser fermenter, plus le champignon va aller manger le sucre. Et il n'y aura pas de sucre dans votre kombucha ou presque pas. Le kombucha adore la musique et a besoin d'amour. N'hésitez pas à lui chanter des chansons de temps à autre. C'est un peu le même principe. Si vous con... ceux qui connaissent le kéfir, hein, faut, le... faut le respecter. Faut ce champignon hein, du kéfir. Il y a toute une philosophie autour de ça. Tant qu'à faire ça, aussi bien d'embarquer dans la philosophie, moi je vous le conseille parce que c'est pas nocif premièrement. Puis vous allez vraiment vraiment vous élever, vous sentir euh, impliqué dans tout ça et sentir encore plus les, les bienfaits. N Oubliez pas que l'approche et l'attitude comptent pour beaucoup dans tout ce qu'on fait dans la vie. Goûtez votre kombucha en cours de fermentation à l'aide d'une paille. Lorsqu'il commence à développer une saveur vinaigrée, il est prêt. À vous de choisir quand il vous le plaît, quand il vous plaît plus il sera vinaigré, plus il sera médicinal, plus il sera sucré, plus il sera accessible. Donc, voyez-vous, c'est ce que je viens de vous expliquer. Celui qui est commercial, il y a encore un peu de sucre. Il y a un bon tube. Tub, ce que j'ai regardé, la moyenne, c'est à peu près 7 grammes de sucre par tasse, par 250 millilitres. C'est quand même moins pire qu'un coke, là, mais plus vous allez, quand vous allez le faire vous-même, plus vous allez laisser le kombucha fermenté, moins il y aura de sucre, plus il sera médicinal. Quand c'est bon pour vous, ben, sortez ben, même si vous le laissez aussi sucré, il y a des propriétés aussi extrêmement euh, avantageuses donc quand c'est bon pour vous, sortez la culture avec soin et placez-la dans une assiette propre avec un fond de vinaigre réservé pour votre prochaine brassée. Donc voyez-vous, c'est vraiment pas cher. Vous avez votre euh, kombucha mère, cette espèce de champignon et vous gardez, vous le réutilisez toujours et toujours. Transférez votre boisson dans vos bouteilles en verre à l'aide d'un entonnoir et d'un filtre si vous voulez enlever les sédiments. Vous pouvez consommer directement ou bien laisser fermenter en bouteille, appeler la deuxième fermentation à température ambiante deux jours pour renforcer naturellement le pétillement. Vous pouvez ajouter un petit morceau de gingembre pour relever le goût. Si vous souhaitez aromatiser votre kombucha avec des fruits, faites attention à la quantité. La boisson doit rester assez vinaigrée. Gardez toujours 25 centilitres de kombucha pour votre prochaine brassée. Ça, c'est votre démarreur en plus de votre kombucha mère. Et vous n'avez plus qu'à commencer. Précaution à prendre. Attention, si vous observez de la moisissure verte ou blanche avec un aspect de velours, votre kombucha est impropre à la consommation. Ce genre de, de contamination apparaît lorsque le démarreur n'est pas assez acide ou en, ou en trop faible quantité. Vous devez absolument jeter votre mère et recommencer à zéro. Cela est assez rare, mais soyez vigilant. Prévoyez toujours un peu plus de démarreur bien acide. Pensez à toujours bien couvrir votre kombucha avec un linge. Les mouches à vinaigre sont friandes de kombucha et rêvent de pouvoir venir y poser et déposer leurs œufs. Ne leur faites pas ce plaisir, ce risque de devoir tout jeter et recommencer. Évitez de mettre le kombucha en contact avec tout instrument métallique car les bactéries pourraient alors extraire et accumuler des métaux lourds qui seront intoxiquants. Les bouteilles, les contenants, les tasses doivent être tout en verre, tous en verre, et les cuillères doivent être en bois ou en inox de qualité. La fermentation du kombucha génère des gaz carboniques. Il est très important de ne jamais bouchonner une bouteille ou un contenant en verre si vous n'avez pas la certitude que ceux-ci pourront résister à la pression. Sans risque d'éclater. Il s'agit d'une mesure de sécurité indispensable. Il est également important de ne pas laisser une bouteille fermée, fermentée à température ambiante plus de deux jours. Les bouteilles doivent être réfrigérées. Bon courage dans votre aventure de jeunes kombucha. Que la bulle soit avec vous et partagez vos expériences de kombucha maison sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le site de Loki. Une... Je pense que c'est français celui-là, mais je ne suis pas vraiment. Certains. Je ne l'ai pas vu hier, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire, mais je le, je, demain, je vais aller faire un tour, je vais aller vous montrer toutes ces variétés de kombucha. C'est vraiment un produit fascinant et il y a des propriétés vraiment, vraiment euh, extraordinaires. Vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, je vous laisserai le lien de ça dans la euh, boîte de description. Je vais vous faire découvrir le kombucha parce que ça ne coûte pas cher, c'est un breuvage extraordinairement savoureux, désaltérant, médicinal et aussi amaigrissant. Je peux vous dire une chose, quand tu bois ça, tu te sens vraiment rassasié. Ma femme, depuis qu'elle boit ça, ça fait pas longtemps. Elle a perdu le, le gonflement du ventre, c'est incroyable. Et moi, je me suis mis à ça aujourd'hui, donc... Euh, pour toutes sortes de raisons, que tu te mets à ça, mais ça a l'air vraiment euh, passionnant de le faire. Là, je vais m'embarquer là-dedans. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais tout a l'air très simple. Tout est bien expliqué ici. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, euh, ce site-là. Puis, vous trouverez la boîte de, la, dans la boîte de description euh, cette, ce lien-là. Donc, vous pourrez l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé. Et vous pouvez commencer votre kombucha. Mais commencez par aller l'acheter. Déjà préparé. Ça va vous donner une idée de ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est fantastique. Et on se retrouve de l'autre côté mais je vais essayer de voir si je peux pas trouver attendez une seconde si je peux pas vous trouver exactement ce qu'on dit à propos du kombucha euh, les propriétés y était du kombucha on va aller voir ça Les effets bénéfiques de la boisson kombucha. La boisson kombucha possède des propriétés fascinantes et positives pour la santé. Sa consommation régulière est très efficace contre divers maux bénins et euh, de bénins à sévères. Mais ses vertus sont encore assez peu connues de nos jours, car peu d'études scientifiques ont été conduites sur le kombucha. Certains auteurs le voient comme un remède miracle capable de guérir presque toutes les maladies, même le cancer. Dans tous les cas, les consommat la consommation de kombucha ne dispense pas de demander un avis médical pour vos problèmes de santé. Patata. Les euh, composantes de la boisson contribuent au renforcement du système immunitaire en régénérant la flore intestinale grâce à ses levures, bactéries et macromolécules organiques. Ils agissent sur l'équilibre général du corps en améliorant son état général, en l'aidant à se renforcer et en diminuant sa vulnérabilité aux maladies. Il aide à la détoxification et l'épuration cellulaire, à l'assainissement du sang et aurait un effet antibiotique. Consommer tous les jours, cette préparation serait efficace pour prévenir certaines maladies, les guérir ou en atténuer les symptômes. On lui attribue des propriétés fortifiantes et des vertus curatives, diurétiques, dépuratives, détoxifiantes, régénératrices et antimicrobiennes. Consommer la boisson kombucha serait conseillé pour renforcer les défenses naturelles, équilibrer les flores, la flore intestinale, stimuler les fonctions digestives, éliminer les toxines, améliorer la physiologie de la peau, mais aussi lutter contre les œdèmes, l'artériosclérose et la suppression artérielle, la goutte, les rhumatismes, la paresse intestinale, la constipation, la diarrhée, la migraine, les hémorroïdes. Les calculs, le stress, le surménage, l'asthme. Le kombucha n'a aucun effet secondaire néfaste. La, moyenne, la posologie moyenne est d'à peu près un tiers de litre par jour. Certains en consomment jusqu'à un litre. Pour les diabétiques, il est préférable de demander l'avis d'un médecin. Lors de la fabrication de la boisson kombucha, le sucre cristallisé se transforme en glucose et fructose. Le glucose disparaît au cours de la fermentation après. 12 à 14 heures, il ne reste plus que du fructose. Le fructose étant un glucide de la famille des monosaccharides, les, diététiques, les diabétiques pardon, doivent impérativement en tenir compte dans leur apport quotidien en sucre. La première semaine, il est conseillé de ne pas boire plus d'un verre par jour. En effet, l'élimination rapide des toxines grâce aux qualités détoxicantes du kombucha risquerait de fatiguer le foie. Donc vraiment, waouh! On peut même avoir des usages cosmétiques, disques et boissons. Kombucha trouve des utilisations pour l'hygiène, la beauté, les soins du corps et des cheveux. Je vous laisserai ce lien-là aussi. Tant qu'à y ça vous fera deux liens. Puis vraiment, commencez à découvrir le kombucha. C'est d'origine japonaise. Je vous reviens.